L'Université de Montpellier abrite en son sein de nombreuses collections historiques et scientifiques. Et nous sommes ici au Conservatoire d'anatomie qui abrite, comme son nom l'indique, une très grande collection anatomique destinée à l'enseignement pour les étudiants en médecine à partir du 19e siècle. Cet ensemble a été protégé au titre des monuments historiques au début des années 2000. Et il se trouve que le grand écorché d'homme du docteur Ozou n'a pas fait partie de cette campagne de protection puisqu'il était conservé à un autre endroit, au sein de l'amphithéâtre d'anatomie. Il a fait partie d'une exposition du savoir à la lumière en 2014 qui était un florilège des collections universitaires montpelliéraines et il a été volontairement présenté non restauré pour que le public prenne conscience non seulement de la qualité de cet objet mais de la nécessité de sa restauration. À la suite de cette exposition, la démarche de restauration a été entreprise. Étant donné la complexité donc de cet objet, une campagne de radiographie a été effectuée préalablement à sa restauration à la clinique du Parc par le docteur Samuel Mérigeau, qui est un passionné d'histoire et d'archéologie et d'histoire de l'art, ce qui a permis d'en savoir plus sur son armature, sa structure interne métallique qui permet à l'objet de tenir debout. Il a été constaté un défaut à la cuisse droite, l'objet étant fracturé à cet endroit. Cela a permis d'effectuer une opération de restauration fondamentale, en plus de la restauration de la couche de polychromie en surface. Les modèles anatomiques d'Ozou sont assez particuliers parce que ce sont des modèles tridimensionnels. Qui relèvent de plusieurs disciplines. Ce sont des objets en papier mâché qui sont structurés autour d'une armature métallique et qui comportent une couche picturale extrêmement fragile et souvent altérée. Ce modèle est un peu particulier car il possède une fracture en haut de la jambe droite que l'on rencontre sur quelques autres modèles qui sont issus des établissements Ozou. Donc cette fracture induit un déséquilibre du modèle et un risque d'altération en continu à long terme sur ce modèle. Donc le modèle a été traité au niveau de sa couche picturale, mais également de manière fondamentale sur sa structure métallique. Pour restaurer ce type d'objet, la première étape est une étape de documentation, c'est-à-dire une documentation photographique avant traitement, avec un constat d'état détaillé de l'état de l'objet. Ensuite vient le démontage, qui est une étape assez laborieuse et qui est réalisée grâce à l'aide des tableaux synoptiques qui étaient édités par les établissements Ozou et dans lesquels sont répertoriés les plans, chaque pièce anatomique et chaque détail anatomique qui sont mis en relation avec des étiquettes qui sont posées sur les parties du mannequin. Donc ici on a un mannequin qui totalise 92 pièces démontables. Donc ça, c'est à peu près une à deux journées de travail juste pour démonter et documenter convenablement ce démontage en vue d'un remontage qui est souvent également une étape assez compliquée à réaliser. La phase suivante est une phase de dépoussiérage. Ce modèle était particulièrement poussiéré, aussi bien sur ses parties extérieures que sur les organes internes. Donc l'aspiration se fait à l'aide de micro-aspirateurs, de brosses. Et la deuxième étape importante est une étape de
consolidation de couches picturales qui est très écaillée et en tout cas sur certaines zones soulevée et également qui présente un encrassement profond. Donc ces deux opérations sont réalisées de manière concomitante pour apporter un minimum d'humidité sur la couche picturale dont la couche supérieure est une couche de gélatine très sensible à l'humidité. Donc après ces interventions, il y a toutes les opérations de consolidation de la structure, c'est-à-dire que toutes les zones d'assemblage des pièces sont en général très altérées. Ce sont des modèles qui étaient voués à être utilisés lors de cours pédagogiques, donc qui ont été extrêmement manipulés, donc montés, remontés, démontés. Donc toutes ces zones d'assemblage sont en général lacunaires et toutes les parties métalliques qui les composent également, tous les crochets, toutes les tiges sont souvent soit fragmentaires, soit manquantes avec une présence d'éclatement du papier mâché au niveau de la périphérie des zones d'assemblage. Donc ça, c'est réalisé à l'aide de papier mâché. Que l'on colore soit dans la masse, soit après à l'aide d'aquarelle ou d'acrylique, soit avec du papier japonais teinté. Le titre de l'exposition, Prodige de la nature, les créations du docteur Ozu, laisse place à l'imaginaire et invite le public à découvrir une œuvre exceptionnelle. Donc à l'issue de la restauration du grand écorché, l'Université de Montpellier a décidé d'organiser une grande exposition afin de montrer la centaine de pièces dont elle est dépositaire et qui font partie de la collection du docteur Ozu. L'idée étant de faire sortir de l'oubli les collections de pièces anatomiques, zoologiques et botaniques qui sont conservées à l'Université de Montpellier et qui sont signées du docteur Ozu. Le but de l'exposition aussi est de faire connaître la personnalité du docteur Ozu, ce médecin anatomiste, enfin passionné d'anatomie, créateur, inventeur de génie, économiste et grand humaniste qui a vécu au XIXe siècle et qui est quand même bien souvent ignoré. Nous avons envisagé alors à ce moment-là une scénographie non pas scientifique, bien sûr ce sont des objets qui ont beaucoup compté, mais surtout plutôt une scénographie du côté artistique, puisque tous ces objets qui ne servent plus sont classés au titre des monuments historiques et qui pour ma part constituent de véritables œuvres d'art puisqu'ils allient la sculpture, la peinture et l'architecture. Donc autour de deux grandes pièces qui vont être exposées à l'entrée de ce parcours, vous aurez non seulement toute une série de petites de pièces anatomiques avec des mains, des pieds, mais aussi tout ce qui représente la vie, puisque nous avons toute une série d'ovologies. Et de l'autre côté, un parcours un peu moins connu avec des objets représentant la zoologie, comme l'escargot, une sangsue. Vous savez que les objets sont démontables, donc nous verrons l'intérieur et l'extérieur de la sangsue. Et puis de la botanique avec notamment toute une série de champignons. Cette exposition donc, qui rassemble une grande variété des pièces du docteur Ozu
nous l'espérons, permettra une meilleure connaissance de ces pièces, permettra une valorisation plus importante dans le futur, mais aussi de faire connaître, peut-être, dans la France et dans d'autres institutions, tout notre patrimoine et d'avoir des liens avec d'autres collectivités ou d'autres musées qui auraient vraisemblablement des pièces méconnues qui compléteraient notre collection et de pouvoir plus tard, peut-être, échanger et faire un catalogue commun, par exemple.